J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler des vêtements Shein. Je vais vous faire un haul, try and haul, tout ce que vous voulez. Voilà, parce que c'est les 11 ans, il y a plein de promotions, il y a plein de super articles. Donc c'est parti. C'est parti pour la première tenue. Donc voilà, donc, j'ai commandé un petit pince, très très confortable. Alors sachez que les pantalons comme ça, j'en ai commandé plein. Voilà, parce que j'en ai déjà testé un. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma première vidéo que j'avais fait sur ma chaîne Anis Wesouma, je vous invite à aller. Pareil, je fais un gros haul là-bas. Shein, et il faut savoir que là-bas, franchement, leurs pantalons comme ceci-là, leurs pinces, ils sont vraiment super confortables et ils taillent super bien. Ça vous fait une très très belle silhouette et franchement, à chaque fois, j'en commande, dès que je peux en commander, j'en commande de différents modèles, mais il faut savoir que j'en prends tout le temps. Donc voilà, donc je trouve que c'est des pantalons qu'on peut mettre avec beaucoup de hauts. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis ça avec un petit haut habillé, voilà, avec de différents motifs. Alors, il est très très joli, surtout au niveau des manches. Parce que voilà, elles sont vraiment très très grandes, ça baille au niveau d'ici. Alors moi je l'ai rentré dans le pantalon, mais je pense que vous avez aussi la possibilité de le sortir. Voilà, c'est selon comme vous aimez porter le truc quoi, mais personnellement je le préfère à l'intérieur. Je trouve que ça ramassait un petit peu la taille et ça fait un meilleur rendu. Mais franchement si on aime les styles un petit peu plus décontractés, comme ça, ça passe aussi très très bien. Il est aussi serré au niveau des chevilles, donc comme ça, ça vous fait une silhouette un peu plus... Voilà, donc voilà pour la première tenue, j'adore, rien à dire, c'est nickel. Pour le haut, j'ai pris une taille M, pour le bas, j'ai pris une taille M. Tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, en général, ça sera du taille M. Si ce n'est pas le cas, je vous ferai la précision. Et de toute façon, tout est inscrit dans la barre d'infos. Voilà. Donc là, on continue, toujours avec le même style de pantalon. La différence avec celui précédemment, il y avait une petite fermeture à l'arrière. Avec celui-ci, il s'enfile tout simplement. Il est un petit peu plus court au niveau des chevilles, mais ça reste toujours le même tissu, la même texture. Avec ceci, par contre, j'ai commandé une petite chemise. Donc là, pareil, chemise très très fluide, très légère. Voilà, ça se porte super bien, c'est vraiment très très agréable. Encore une fois, moi je l'ai mis dans le pantalon, mais vous avez la possibilité de la mettre en dehors. Voilà, c'est vraiment selon le look que vous voulez avoir. Comme je vous l'ai dit, moi je mets dedans parce que ça affine bien la silhouette. Surtout quand vous êtes marqué au niveau de la taille. Mais après, selon votre morphologie, vous adaptez. Et je l'adore, franchement. Ça, c'est le genre de haut que je porte très souvent. Vous m'avez suivi dans pas mal de mes vidéos. Vous savez qu'à chaque fois, je vous sors des hauts avec ce style-là. Et là, pour le coup, en fait, c'est vraiment le côté beige blanc qui a fait que j'ai choisi celle-ci parce que je la trouve vraiment très, très belle. Voilà, elle ressort vraiment très, très bien. Voilà. On continue avec une cape. Que ce que j'aime les capes chez Shein, franchement. Vous en trouvez un peu partout, mais la qualité là, c'est la même en fait. Je sais que vous allez en trouver pas mal chez Zara, chez Boohoo. Et franchement, en général, c'est vrai que les marques comme Shein ou quoi, c'est une qualité un petit peu inférieure. Mais là, pour tout ce qui est cap, franchement, ils ont vraiment envie. La qualité, elle est là, elles sont magnifiques. Donc ça, encore une fois, j'en ai présenté une dans ma vidéo sur ma chaîne Anisou et Souma. C'était noir avec un ensemble noir. Et la blanche, elle est magnifique, elle est vraiment super belle. Donc celle-ci, par contre, elle a une petite particularité. En général, les capes, elles sont droites au niveau de là. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit peu... ça fait comme deux petites pointes au niveau d'ici. Voilà, ça descend. Mais franchement, elle est magnifique. Je l'adore. Je l'adore. Donc ça, avec un petit pince, des talons, des escarpins, c'est tout de suite classe. C'est magnifique. Donc, un autre haut. Alors là, celui-ci, petit problème. Je trouve, alors je le trouve très très beau. Vraiment, il est magnifique. Il est un peu en soie, voilà, c'est un petit peu cet effet que ça veut donner. Il est satiné vraiment. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il taille très très mal. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai pris trop grand. Il baille vraiment au niveau du soutien-gorge ici, au niveau du décolleté. Alors, j'essaye de le tourner, le mettre bien, mais au fait, au bout d'un moment, il y a un truc qui ne va pas. Voilà, au niveau d'ici, ça baille vraiment énormément. Il n'est vraiment pas assez serré. Il y a un petit truc qui cloche. Donc, alors, comme je l'ai dit, soit c'est moi qui l'ai pris vraiment trop grand, mais je ne pense pas vu que j'ai pris ma taille. Je pense que si j'avais pris un S, après ça aurait été trop serré, voilà, parce que dès qu'on bouge, on voit clairement quand même c'est ma taille, c'est pas trop grand, mais il y a vraiment un petit défaut au niveau de ça. Alors là, on est dans un haut plutôt simple, mais je trouve très très beau. Donc voilà, il est blanc, il est en coton très léger, il est ouvert sur le côté, donc, voilà, il y a le petit côté quand même, voilà, hein. Franchement, il est super agréable parce qu'il est très très doux. Le petit hic, comme d'habitude avec Shein, c'est que c'est plutôt transparent. Donc voilà, chaque fois là-bas qu'on achète du blanc, il faut s'attendre à que ce soit transparent, même quand c'est plutôt épais. Parce que là, on sent vraiment, là, c'est de la bonne qualité, c'est assez épais, c'est bien stretch et tout. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais voilà, on voit carrément même l'étiquette au niveau d'ici. Donc voilà. Mais sinon, hormis ça, franchement, il est simple,
Il est simple, mais le fait que ce soit ouvert au niveau d'ici, voilà, ça fait un petit détail qui fait que le haut, tout en étant simple, il est très très beau. Voilà, celui-là, franchement, je l'aime beaucoup. Alors là, du coup, il s'agit d'un haut noir, manche longue, assez épais. Donc, il est très court au niveau du devant, mais derrière, voilà, il arrive plutôt très très bas. Donc, on va dire au niveau de l'arrière du genou. Donc, franchement, ça fait un petit effet cap encore, voilà. J'aime beaucoup ce genre de haut. Hein. Franchement, à chaque fois que j'en vois sur le site Shein, j'ai tendance à chaque fois à les commander parce que je les trouve très très bien. Voilà. Donc là, du coup, ce qui est bien, c'est qu'avec, j'ai commandé aussi un petit jean noir. Franchement, c'est un basique. C'est un jean vraiment très très simple. Il est serré au niveau de la cheville. Donc, voilà, hein, c'est un slim, tout simplement. Alors, par contre, la taille, elle est très très haute. Et c'est ce qui fait que ça va très très bien avec ce haut-là, étant donné qu'il est court. Le jean taille haute, voilà, c'est parfait, ça évite de se retrouver trop avec le ventre à l'air, vu que voilà, quand on bouge, ça remonte encore plus. Voilà, bon, après, c'est une tenue très très simple, hein. Vous cassez ça avec des escarpins à la rigueur nude, et voilà, ça le fait vraiment très très bien, il n'y a rien à dire. Donc là, quoi dire de plus, franchement, c'est une tenue de tous les jours. Hein. Voilà, c'est très très simple, mais ça le fait. Voilà, confortable surtout. Alors là, pareil, encore un haut noir, mais franchement, ça look totalement différent. Il est super beau. Il est très habillé, il est très très classe. Donc au niveau du noir, c'est clair et net que ça reste sobre. Mais en fait, je vais vous montrer. Au niveau d'ici, vous avez un petit nœud. Donc voilà, le haut est fondu jusqu'à là. Vous avez un petit nœud, voilà, ça fait un petit effet pincé. Et après, le haut va descendre de plus en plus sur le côté. Voilà, hop, il va s'arrêter au niveau d'ici. Vous avez toute la jambe de ce côté-là en dehors. Voilà, et tout le reste est couvert par le haut. Franchement, c'est super classe. Ça rend super bien. Là, peut-être que vous n'allez pas forcément vous en rendre compte à cause du jean noir tout simplement que j'ai. Mais franchement, le haut est très, 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 très bon. Ça, avec un petit pantalon blanc, magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. Voilà. Et encore une fois, c'est une texture très, très stretch. Très, très fluide. Donc, très, très agréable à porter. Ça fait beaucoup de très, très. Mais c'est le cas. Voilà, franchement, j'aime beaucoup. Alors là, tenue, rien à voir. Hein, voilà. Donc là, c'est clairement les petites tenues printanières. Donc, j'ai osé le short. Franchement, en temps normal, c'est des trucs que je ne mettrais jamais. Mais j'ai vu la photo sur le site et ça rendait très, très bien avec un petit manteau style pas de tête de coq. Là, je ne sais plus comment ils appellent ça. Bref, le manteau était magnifique. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu le recevoir. Il était out of stock. Donc, c'est un petit peu dommage parce que c'est clairement pour ça que j'avais choisi la tenue. Mais bon, c'est pas grave. Donc, pour le haut, voilà, ça reste un petit pull près du corps. Voilà, les petits boutons au niveau d'ici. Couleur or, comme d'hab, blanc transparent, ça, on ne va pas s'attarder dessus, pas la peine. Donc là, c'est un t-shirt simili cuir. Donc il est noir, on a l'impression qu'il est un peu marron, mais non, il est noir. Donc après, c'est clair que ça ne fait pas un corps de ouf. Ça, c'est sûr et certain, parce que c'est un truc un peu bouffi. Voilà, c'est un peu, hein. Mais bon, vous pouvez le serrer au niveau de la taille, mais la tenue est très très belle, parce que j'ai choisi les chaussures. Donc les chaussures sont vraiment très 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 jolies. Voilà. Bon, après, c'est clair que ça fait gros, c'est des grosses boots, mais elles sont super confortables. Le fait que vous ayez un talon, si je peux appeler ça un talon, mais vraiment un gros talon carré, franchement, vous sentez vraiment pas la hauteur. Vous êtes vraiment comme si vous étiez à plat. Vous pouvez marcher avec ça vraiment très très longtemps sans avoir mal aux pieds. Donc franchement, la tenue là, je l'aime beaucoup. Je suis juste dégoûtée de ne pas avoir pu avoir le manteau. Ouais, c'est juste ça qui est un petit peu embêtant parce que franchement, sans le manteau, ça rend pas. Pour finir dans les pantalons, ça va clairement pas avec le haut, je vous l'accorde. Mais c'est pas grave, fallait que je vous le montre quand même. Donc ça, c'est un pantalon que j'avais bien aimé. Donc pour moi, ça c'est à mettre avec un crop top. Direct, je vous dis d'office. Donc c'est les pantalons, vous savez qu'ils font un petit peu kawaii. Moi, pour vous situer dans le truc, en fait, quand je vois ça, ça me fait penser à l'époque au TLC. Voilà, donc c'est vraiment les trucs, les espèces de jogging en kawaii bizarre avec les fils au bout, avec quoi vous pouvez serrer la cheville en fait. Et j'aime beaucoup ce genre de pantalon là avec des grosses baskets, ça passe très très bien. Donc voilà, après c'est clair, comme je vous l'ai dit, ça passe pas du tout avec le pull qui est plutôt habillé, mais c'était histoire que je vous montre quand même le pantalon. Voilà, au niveau des motifs, il est mignon. Vous l'avez aussi en blanc, donc il y a le choix. Du coup, je vais en profiter pour vous montrer trois gilets que j'ai choisis. Donc, il y en a un qui est vraiment très très simple, très près du corps. Voilà. Franchement, moi j'ai bien aimé, parce qu'il n'y a pas forcément de fantaisie, il n'y a pas de ceci, cela, de frou-frou, il n'y a pas de ceinture. Voilà, parce qu'il est tellement près du corps en fait, qu'il n'y a besoin de rien. Donc encore une fois, ça n'ira pas avec le pull, mais je pense que vous voyez quand même le résultat. Donc par contre, le truc, c'est qu'il est un petit peu trop ouvert.
voilà, vous aurez vraiment du mal à le fermer parce qu'il est très court au niveau d'ici, quoi. Donc ça, c'est vraiment les gilets que vous allez garder ouverts. Vous ne pouvez rien faire avec. Mais il est très très long. Il arrive, voilà, à ce niveau-là. Ensuite, j'en ai reçu un deuxième. Alors celui-ci, je ne l'ai pas validé du tout. Je ne l'aime vraiment pas. Donc, c'est des motifs éléphants. Voilà. En fait, j'ai un problème au niveau du col. Je ne sais pas. Je n'aime pas du tout comment il rend. Voilà. Le fait que ça soit rond comme ça, comme si c'était un petit col, pas Claudine, mais bon, vous voyez ce que c'est. Il se referme trop. A contrario de l'autre, en fait, si l'autre il est trop ouvert, celui-ci il est trop fermé. Donc, j'aime pas du tout. J'aime pas au niveau du col. Il n'aurait pas fallu que ça rebique ici. Ça aurait été très très bien. Voilà. Limite comme ça, voilà, ça aurait été pas mal. Mais là, le fait que ça fasse comme si, que ça fasse comme ça ici, un petit angle droit, pour moi, j'aime pas du tout. Voilà, ça passe pas. Après, celui-ci, il est un petit peu moins court. Il arrive en dessous des fesses. Au niveau des motifs, ça va, ça passe. Voilà, ça passe avec tout, en jean, un pantalon noir. En général, les couleurs gris et noir, ça passe partout. Mais non, moi, celui-là, désolé, je ne sais pas si vous allez aimer, vous. Moi, je n'aime pas du tout. Et en dernière veste, donc il y a celle-ci. Donc celle-ci, c'est limite presque un manteau. Voilà, donc elle est très très grosse. C'est vraiment le truc, quand vous sortez, envie de faire, vous le mettez. Mais après, ça fait vraiment sac. Ça, faut le savoir. Donc après, quand vous êtes habillé, vraiment, un petit bas, vite fait, un petit legging, vous mettez ça, ça passe. Mais ne vous attendez pas à ressembler vraiment à quelque chose. C'est vraiment le truc archi gros. Pourtant, il est très très fin. Regardez. Moi, c'est vraiment un truc très très fin, mais très volumineux. Voilà. Je pense que c'est surtout aussi au niveau d'ici. Vous avez quand même la petite capuche aussi. Donc il est mignon. Hein. Franchement, il est très mignon. Il est vraiment très très serré au niveau des manches. Je crois la chose la plus lourde de cette veste, c'est ça. Voilà. Ça, ça pèse une tonne. Alors que le reste, c'est comme le poids d'une plume, quoi. C'est vraiment très très léger. Voilà, donc c'est très très large et c'est taille unique, donc vous ne pourrez pas choisir. Mais bon, on se sent quand même toute molletonnée dedans pour sortir vite fait. C'est des trucs qu'on a mis là. Pour clôturer cette vidéo, je vais vous montrer un dernier article Shein. Donc c'est une paire de bottes, voilà, elle est comme ceci, vraiment elle est très très belle et elle est costaud. Donc bon, voilà, et vous avez les lacets, vous avez une petite fermeture sur le côté. Donc moi je les ai pris en taille 37, il faut savoir que les chaussures chez Shein, en général je prends ma taille. Sauf pour les escarpins. Où il m'arrive de prendre une taille au-dessus parce que des fois on les reçoit un peu trop serrés. Donc pour être à l'aise, voilà, tout ce qui dit escarpin en général, ça taille toujours en dessous. Mais les bottes, franchement, si vous devez commander là-bas, prenez vos tailles. Vraiment, pas besoin de prendre plus, ça vous ira à la perfection. Donc moi, celles-ci, je les ai bien aimées parce qu'elles me font penser un petit peu aux bottes un peu militaires. Voilà, elles ont un petit côté un peu masculin. Voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà pour les articles Shein. Juste avant de vous quitter, par contre, je voulais vous montrer 2-3 articles beauté que j'ai reçus ces derniers temps. Alors, j'avais reçu la crème Bioderma, parce que je sais que vous êtes souvent sur mon Snap à me demander ce que j'utilise comme crème. Et celle-ci, je l'ai reçue il y a quelques jours. Je l'ai déjà essayée au bout d'une fois. C'est une crème réparatrice pour les mains sèches. Sachant que moi, je fais des lissages brésiliens, je suis amenée à doucher des produits un petit peu irritants. Ça, pour avoir les mains irritées, je l'ai mis en une nuit, le problème était réglé. Donc franchement, la Bioderma, Atoderma, mains et ongles, elle est vraiment très 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 efficace. Et j'avais reçu aussi avec celle-là, pour peau sensible et peau très sèche, elle est pour le corps. Celle-là aussi, elle est très très bien. Moi, je la mets sur la peau des enfants. Voilà, ça c'est les crèmes qui sont bien parce que vous pouvez l'utiliser pour toute la famille. Et elles sont très 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 adaptées. Voilà, c'est vraiment adapté à tout le monde. Et pour finir, une petite huile sèche pour les cheveux et pour le corps. Alors, ce que j'ai bien aimé avec celle-ci, c'est déjà elles sont super bonnes et elle est en format spray. Donc moi, qui utilise souvent des huiles, mais quand mets partout, au moment d'en verser dans mes mains, franchement, ça sauve la vie. Elle est très très bien. Franchement, c'est clair et net qu'elle ne laisse pas de fini gras. Celle-ci, je la conseille Luxol, c'est une très très bonne marque pour les cheveux, mais pour la peau aussi, elle fait super bien son effet. Voilà, donc les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que toutes les tenues que je vous ai montrées vous ont donné des idées. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos tous les liens des articles. Je vous mets aussi également le code promo. Voilà, donc là, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Shein. En ce moment, c'est l'anniversaire. Il y a encore plus de petits prix. Et il faut savoir que maintenant, la livraison, le retour est gratuit. Donc ça, vraiment, je pense que ça va aider beaucoup de personnes parce que c'est vrai que payer des frais quand les habits ne nous vont pas, ça limite un petit peu les choses. Et là, le fait que les retours ne soient plus payants, c'est une bonne chose qu'ils ont fait. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine.